Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Europa Universalis 4. Je suis avec Damned et le Signe Noir, et c'est la suite de la Ligue Celtique. Salut à vous. Salut tout le monde. Bonsoir. Et bah c'est reparti, hein, on attaquait des natifs pour changer par exemple. Alors, nous on avait fait des revendications par là-bas, là, histoire de pouvoir faire grossir notre Braids, notre... comment je l'appelais déjà, je ne sais plus, le Peraids, voilà, le Peraids, le bien nommé. Il est allié à qui? À Chimus et Yula, et on n'est pas en trêve avec eux, hein. On pourrait complètement les attaquer ces mecs. Putain, j'ai des événements, je suis monté à 3 en stab. Ah bah, c'est le genre d'événement qui fait bien Allez. Plaisir. C'est pas mal, ouais. Allez, on va filer. Union évangélique. J'ai pas vu, j'ai Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai cliqué trop vite. Moi aussi, j'ai cliqué trop vite. Qu'est-ce qu'a fait l'empereur? Guerre de religion. Bah c'est parti. C'est parti, enfin. Putain. Mais guerre de religion. Mais l'Autriche... Attends, j'ai mal vu, l'Autriche est pas réformée. Il est protestant. Oui, si, j'ai bien vu, l'Autriche est protestant. Ah, moi je ne sais pas. Oh le bordel. Oh ouais, alors, si tu mets la carte, c'est le bordel. Entre protestants, réformés... Ah oui, non, il est encore catholique. Il est encore catholique, ouais, mais il y a pas mal partout. Ouais. Oh, putain, il y a des centres, il y a des foyers partout. C'est la foire. Ah ouais, mais il était temps d'y aller, là. Ah oui, complètement. Donc, en fait, les gens, j'ai décidé, je le rappelle, ou je le dis, parce que si ça se trouve, je ne l'ai pas dit en fait en live, que je compte peut-être aller m'installer en Océanie. Voilà, donc je vais aller, je vais faire quelques bateaux, je vais nommer un explorateur et on va aller explorer l'Océanie. C'est propre. Et j'ai dit. C'est ça. Allez, c'est reparti, j'enlève la pause parce que voilà. Pourquoi on perd autant de temps? J'étais en train de regarder un petit peu en Afrique et tout pour peut-être m'installer. Je regarde les ressources en Afrique. Production probable, 24% d'esclaves, 0,8% de céréales. Donc on retiendra qu'en Afrique, l'esclave pousse mieux que la céréale. Oui, les esclaves poussent mieux que le blé. Ouais. Comment ça, il y a des séparatistes à Alençonnet, là? C'est quoi ce délire? C'est où ça, Alençon? Bah, c'est où Alençon? Allons Comment tu vas vexer tous les viewers à Alençonnet? C'est un truc de dingue, tu sais. Qu'est-ce que c'est que cette région, la Normandie? Non mais, qui a entendu parler de ça? Surtout que t'en es pas très 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 loin, quand même. Bon... Allez, on avait dit qu'on allait développer quand? Ça, c'est bien. Charles de Craon et sa famille. Qu'est-ce que c'est ça? Un négociant de culture normale. Non, mais j'ai pas du tout le blé pour ça, faut arrêter. D'ailleurs, vu qu'on a plein de points, on pourrait pas prendre des... Ouais, on pourrait adopter la culture anglaise, c'est bien ça. Allez, venez les gars. Par contre, si tu vois qu'à l'occasion, à Caen, il y a un prédicateur du nom d'Orelsan qui arrive, tu le noies tout de suite. Hein. C'est pas la peine de... tu demandes direct à le virer. Hein. Bah écoute, j'essaierai d'y penser. Qui c'est Orelsan? Bah oui. Oh, c'est un rappeur cannais assez connu en France. Tu as vu encore un rappeur aussi, forcément, je suis pas très... ouais, bah, j'avoue, moi non plus, mais, tu cherches là, quoi. Moi non plus, mais bon, voilà. Enfin, tu vas encore vexer tes viewers. Bon, ah bah là, j'ai vexé les viewers adeptes de rap. Ouais, c'est ça. Faut toujours froisser quelqu'un, écoute. Hein. Faut pas plaire à tout le monde. Allez, on va construire un marché. On peut plaire à personne, donc faut faire attention. Oui aussi, c'est vrai. On va faire un marché à Caen, parce que ça aide le commerce mondial. Je te lance plus sur des trucs comme ça. Voilà, et parlons du passé. Arrêtons avec le présent. Et si tu fais un marché à Caen, tu... Voilà, ouvert le vendredi, hein, comme en vrai. Hein. J'arrête. Ah, des pierres précieuses à Matara, mais c'est très très bien. La province de Nain produit désormais un nouveau bien commercial, les fourrures. Il y a un truc qui s'appelle Nain. De la fourrure de nain? Bah écoute, non seulement il y a un truc qui s'appelle nain, mais en plus on dirait que tu l'as, donc du coup, désolé. Ah ouais, tout en haut, en haut. La fourrure de nain. Ouais, j'ai dit, alors y a la ça, c'est en poil de barbe. Ah, c'est énorme, j'ai une province qui s'appelle Nain, quoi. Mais nain. Au fait, qui sont les adversaires de la France? L'Espagne, l'Écosse et l'Autriche. Ah merde, on est déjà allé avec tout le monde. Ah, c'est très drôle, ouais. Ah, on a développé le moulin. Je crois que ça coûte la peau du cul à faire. Bon, en tout cas, ça va la population contre 1 pour 1 et pas 0,5. Ils sont normales là, non, quand même. Je vais m'allier à Naples, quoi. Il me faut un nouvel allié. La Suède. Ça pourrait être une idée, la Suède. En plus, c'est allié à l'Irlande.
Raison de plus, faire une guerre, il faut de l'argent. Reviens, mec. 80 jours, putain, mais faut pas autant de temps pour traverser l'Atlantique. On va bientôt pouvoir faire une réforme. Ouh. Attention, quoi. Demandez la paix, mais oui, je demande la paix, je demande ta thune aussi, au revoir. Je demande ta paix, je demande ta thune. C'est plus que c'était. Comment ? Les natifs. Au niveau pognon. Ils sont dans la dèche. Ah, ça vaut pas ce que c'était avant. Bon, donc on a fait une tripotée de bateaux, on va en garder 3 pour l'exploration et envoyer tout le reste dans les nœuds commerciaux. Donc cette fois les gens, j'espère que vous êtes contents, hein. J'ai fait une flotte massive. Je suis monté à 38 sur 45 en un épisode. C'est beau. J'avoue. Parce que le pognon coule à flot. Axe militaire de la part de la France. Ah oui, alors la France... De l'habitude. Comment ça se passerait si on attaquait la France? Merde, elle est en guerre contre des trucs tout là-bas, là. J'ai l'impression. Ah putain, ouais, elle est en guerre contre des natifs là-bas. Faut que je me bouge le cul. Explorer, faire un tour du monde. Bah, c'est tout ce que j'ai en exploration, faire un tour du monde, vraiment. Excusez-moi, je m'épose 2 secondes. Bah, je m'attendais plutôt à des trucs plus faisables. Tu peux pas explorer... un endroit précis, non. Exploration, j'ai tour du monde et puis c'est... C'est un peu triste. Ouais, c'est un peu limité. La plata à crêpes, quoi. C'est génial. On dirait un mauvais doublage français de Ken le survivant, quoi. Ouais, alors, si on attaquait la France, l'Espagne viendrait, l'Autriche viendrait. Ouais, hein. De son côté, les états pontificaux viendraient. Ça fait chier, ça. Enfin, c'est pas pour leur puissance. La Toscane viendrait, la Hollande viendrait, Liège viendrait. Alors, je serais toi. Si tu peux, je me permets. Vas-y. Je pense. La France n'est-elle pas encore dans une... Ah non, elle n'est pas encore dans une ligue, la France. Mais la France, elle va bien rejoindre une ligue à un moment. Il y a des chances, ouais. Est-ce que ça vaut pas le coup de lui tomber dessus au moment où... Où elle sera dans une ligue, je pense. Ouais. Ouais, si on n'est pas dans la même ligue, ouais. Il y a moyen. Ah, les ligues sont là, j'avais même pas vu, merde. Bah ouais. Ouais, c'est parti, là. La ligue catholique. Oh putain, la ligue catholique, elle est faible hein, par rapport à l'autre. Hein. Oh là 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 là. Ah ouais, ouais. Mais ça va bouger, ça. Et les Ottomans dans la ligue protestante, quoi. Avec le Danemark, ouais, par exemple. Le Danemark dans la ligue protestante aussi. La Suède est en face dans la ligue catholique, donc... Ça peut être la violence. La ligue coloniale, c'est pas facile, ça. J'enlève la pause. Ouais. Oui. Donc oui, effectivement, on va plutôt aller taper du natif en attendant, vous avez pas tort. On sait quand est-ce que ça explose, ce truc-là, ou non, c'est aléatoire? Ou il y a un truc... En fait, c'est pas aléatoire, c'est quand le chef de la ligue, il balance la guerre, quoi. Ah ouais, d'accord. Il a un casus belli particulier, et puis il est parti, quoi. Ah oui, donc l'Autriche d'un côté, et le Brabant de l'autre. Ah, d'accord. Voilà. Notre ami le Brabant. Ah bon. Ouais. Oh la vache. Lutte contre la corruption, c'est parfait. Ah ouais, c'est quand même violent, quoi. Assimilation des indigènes de nains. Oh putain. Oh la vache. Bah ouais, hein, écoute, c'est la vie. Des nindigènes. Des nindigènes, ouais. C'est non, mais y'a de quoi. Et après, vous vous moquez de la plata à crêpes, quoi. Ah non, bravo. Mais j'adore, moi, je trouve ça génial. La plata à crêpes, soyons sérieux. Je sais pas qui a eu l'idée, mais moi j'ai trouvé ça très drôle. Non, il faut qu'on bouffe la Gascogne là, c'est pas possible de laisser la Gascogne française. Oh, y a de quoi quand même pas rigoler, hein. Je viens de regarder les états pontificaux, ils ont une indépendance garantie par le Mali, quoi. Ah la vache, ouais, j'avoue. J'ai l'impression que la Toscane va complètement former l'Italie. Le Mali, ouais, elle est quoi. Bien partie, ouais. C'est super rare que ça arrive. Ça. Disons que ouais. Naples est couvert par l'Espagne, donc à partir de là c'est plus compliqué, mais. Non mais j'adore, quoi. J'imagine que tu déclares la guerre aux états pontificaux. Ouais, attends, faut que je fasse des guerres là parce que c'est pas possible. La France fait n'importe quoi, donc on va payer l'armée, ça va nous coûter un bras. Livonie, Brabant, Frise, Giel. Ouais, moi j'ai vraiment envie. Qui c'est qui est mort? Quoi? Aïe, alarme. Union personnelle à la mort du souverain. Encore? Ah ouais? J'ai 50 ans. Mon héritier vient de mourir dans l'atroce souffrance. Ah putain! Allez, une guerre!
C'est parti pour Bah une écoute, guerre. non mais je vais attaquer des pauvres natifs, je t'invite si tu veux, et puis on la fait durer. Des quoi, des natifs? Des natifs, ouais. Oui, tiens, on va refaire les mariages, si vous pouvez envoyer les demandes, s'il vous plaît. C'est fait. Je suppose trop ce que ça changera, mais c'est fait. Ce sera le bienvenu. Ouais, je t'envoie ça. Je vais récupérer... Ah bah non, on a toujours notre mariage, nous. Par contre, je crois que j'en avais plus avec, là. Il faut que j'attaque les châteaux, par exemple. Ouais, mais je m'en fous des châteaux. Putain, non, mais je t'invite, sinon. Ouais, t'as raison. Fais des guerres, invite. Je t'invite dans ma petite guerre de merde, là, et puis c'est parti, quoi. Ok, faisons ça. Quand tu veux. Je reviens juste vite fait où sont mes troupes. On s'en fout. Allez, c'est parti. En plus, ils sont en train de s'entraîner, ça va être vite fait. Alors, attends, faut que mon diplomate revienne de chez l'Écossais. Ah, c'est toi qui as la main sur la pause, Tibbs. Vite, vite! Crise politique, perdez 25 en légitimité. Vas-y, je t'invite. L'Irlande. Oui. C'est parti. Oui. Prends d'avancée, je m'en fous, j'y vais, on s'en tamponne, rien à foutre. Le pays est en guerre. Enfin, je crois. Oui, je suis en guerre. Rejoins-nous, fier ami irlandais. Mais complètement. J'arrive. J'ai envoyé des mecs peut, en radeau. Ça peut t'aider, ils ont encore des boucliers en cuir, les gens. Bah, où faut-il que j'aille? C'est complètement du côté du Pérou, hein, donc... Ah oui. C'était vraiment histoire que tu sois là. Je vais complètement pas y aller, quoi. C'est ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Un expert en fortification. On s'en fout. Des séparatistes se sont soulevés au Devon. Ah merde, je les ai pas vus venir. Ça aussi, on s'en fout un peu, non? Ouais, j'y vais, c'est bon. Tu es bien urbain. J'ai l'habitude. Par contre, je vais peut-être avant remettre la maintenance. Hein. Alors attends, je peux prendre du coup une politique. On va prendre la thune. Ouais, la thune, c'est tentant, mais en même temps, plus de réserves face à la France. Non, on va prendre les réserves. Hein. Allez, on est niveau 2, les gens. C'est parfait. Alors, ça faisait quoi, logistique améliorée? Mais c'était pourri. À la place, je vais prendre plus 5% de discipline comme politique, en parlant de ça. On a encore un marchand qui glande. C'est trop loin, ça. Vous êtes sérieux? Impossible d'envoyer un marchand. C'est trop loin. Bordel. C'est bien triste. Allez, allons-y. Hop. Attends, je cherchais où mettre mon marchand, on va le mettre là, voilà, c'est cadeau. Du coup... Oui. Du coup, on a déposé des troupes ici, on va aller s'occuper de ces cons. Donc du coup, on est en guerre avec qui? Parce que c'est pas tout ça, mais... Contre ces gens et ces gens tout là-bas, très très bien. On a un Casus Belli contre lui, là? Absolument pas. Ça a encore rejoint le côté protestant. Oh. Oups, je pense que de l'autre côté, c'est la merde. Mais la France a pas... De toute façon, nous, on est nulle part. Nous, on est neutre. Ouais. C'est ça. Donc on n'est pas trop emmerdé. C'est quoi, ça? Attrition maritime? Il faudra un général. Les nobles. Vous avez un général? 20 d'influence. Ah merde, c'est trop. Mais pourquoi ils sont partis par là? Ils sont complètement cons. Ils sont nombreux, c'est con, hein. Ils sont peut-être cons. En fait, ils ont commencé le tour du monde en partant sur la gauche. Et c'est pas bien? Bah non, ils ont miséré comme des porcs pour redécouvrir l'Amérique que je connaissais déjà. Ah, effectivement, c'est très con. Et donc les bateaux ont pris cher? Ah bah les bateaux, ils ont pris super cher, complètement. D'ailleurs, ils sont en train de back, mais à 13%, les gars, ça sert plus à rien de back. Hein. Je tiens à vous le dire, hein. C'était pas très utile ce que vous avez fait. La Toscane a rejoint les navires, ils sont perdus en mer. Ouais, bah. Les navires vont décéder en mer, et puis voilà, hein, ça va être vite vu. Ouais, Colombre arrive à la rescousse. Parce qu'on ne peut pas compter sur l'Irlandais. Quoi? Est-il? Est-il? Où ça? Qui, quoi, quand, comment? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'ai-je? Qu'ai-je fait? Ou n'ai-je pas fait? Allez, on va aller aider... Fake news. Oui, j'ai un magnifique... Oh là là, magnifique héritier. Bien joué. 4-3-3. Il est meilleur que son père, son grand-père et son arrière-grand-père réunis.
Je suis dégoûté, le colombre il a un commandant, j'ai jamais vu ça. Le mec c'est un 0-1-0-0. Il mérite il à level, peine son une étoile quoi. Il est pas commandant, c'est... Le mec il est ouais, pas de général, c'est impossible. C'est ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Conversion de la Bretagne, putain vous déconnez les gens quoi. Maroc se prépare à attaquer le Mali, on s'en a rien à foutre. Vous allez où vous? Non, pas des galéas, des frégates, s'il vous plaît. Hop là. On a combien en bateaux, là? Allez, 35 sur 45, avec les trois bateaux qui ont coulé au milieu de l'Atlantique. Ça tombe, là. Putain, ça arrive. Non seulement ça tombe pas, mais ça descend, quoi. 57%, j'arrive à redescendre à 49, quoi. Ça va répéter dans le Nantais. Fait chier. Décidément, t'as des vrais problèmes. Ah bah non, mais c'est la réforme, hein. Il n'y a pas de... Et assez, ouais, celui-là, alors. Imérétrie se prépare à attaquer la Crimée. Oulala. Qu'est-ce qu'il fait, lui? La province de Cornouaille s'est convertie à la foi réformée. C'est ballot. Friction aux frontières. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Chester. Ah bah oui, non mais je veux. C'est bon. Les gars. Ah, j'ai perdu prestige encore. Ouais, oh, parce que j'ai des événements, alors... comme je revendique un territoire irlandais. Quoi? Ça va bah pas oui, bien? Bah ça fait longtemps que je revendique, j'ai des revendications permanentes sur tes territoires. Alors du coup, au fur et à mesure, j'ai un événement. Friction aux frontières, gna gna gna. Mais à chaque fois que je veux mettre que je veux plus le revendiquer, ça me fait perdre du prestige, quoi. Je suis déjà à zéro, alors c'est un peu chiant. Ouais, j'avoue. Y a pas moyen de prendre la moindre terre dans l'hémisphère sud sans que les gens y gueulent, hein. Ah ouais, non, là c'est la, ouais. C'est la fin là. Ouais. Donc ça c'est l'Espagne. La fin. Ah, je peux même pas aller en... ouais, je peux pas aller dans le Pacifique non plus parce qu'on me dit qu'on est beaucoup trop loin. C'est où ces troupes là? Je sais pas où elles sont. C'est pas grave, on a 9000 hommes là, ils sont très bien. 1600, putain. Et merde. Est-ce que quelqu'un serait assez gentil pour s'occuper des fanatiques du Nantais? Oh mais j'en ai marre. Je vous file du blé si vous voulez. Mais t'as personne au Nouveau Monde toi en fait. C'est la tristesse quoi. Damned. Bah non, j'ai juste l'Écosse, il se passe pas grand le Canada, il se passe pas grand chose et. Bah des troupes donc qu'est-ce que je fasse, j'ai personne à battre. Du coup tu fais police locale quoi. Ouais c'est ça, je laisse gérer, et puis voilà, je vais peut-être essayer d'aller en Afrique, chatouiller un peu le Congolais, on va voir. Mais oui je suis arrivé trop tard là-bas et je suis monté trop haut surtout. Bah tu peux prendre plein de trucs hein, au Canada ça peut être grand. Ah non mais je vais le faire. Mais je veux dire j'ai pas besoin de combat, y a pas de... Tu vois, y a pas de suspense quoi. C'est juste ouais. Ça mais petit à petit oui je suis en train de m'étendre. Bah regarde, je suis chez les nains là. Bientôt j'aurai les elfes, après j'aurai les orques. L'alliance. L'alliance, what? La vraie. Défaite décisive, qu'est-ce que c'est que ce délire? Après la ligue celtique, la ligue fantastique. Pourquoi le Pérez a perdu la guerre là? Cusco a accepté l'offre de paix de son ami Pérez sur les termes suivants. Et alors? Bah il a pris plein le cul. Il a bouffé Cusco mais il a fait l'appel lui-même, il a bouffé Cusco mais à aucun moment c'est une défaite, c'est délire. Ça doit être un problème dans le terme quoi, c'est une défaite mais c'est une défaite pour notre ennemi en fait. Ah ouais, par contre, c'est marrant, ça a pas mis fin à la guerre. C'est particulier. Très étrange. Oh, j'ai un mec qui vote pour moi pour le trône impérial. C'est vrai. Excellent. Le Palatine vote pour moi. Ouais. Ah non, mais en fait, il a mis fin. Il est sorti. Mais comment c'est possible? Comment il a pu sortir de la guerre, Perrette? Je ne comprends pas. Mais il est con, c'est tout. Ah non, mais c'est ma dépendance. C'est pas des dépendances. Je ne sais pas. À quel moment les colonies, c'est pas des dépendances? Ouais, donc il nous fallait un diplomate du coup, parce qu'on va faire notre propre paix. Ah mais du coup, faut qu'on fasse tous les sièges et tout quoi. Sérieux? Oui. Quel est le fuck? J'ai pas compris. C'est chiant. Alors bref. J'ai strictement rien bité à cette histoire, je suis désolé. Les osages, ou les osagés peut-être, je ne sais pas. Insulte diplomatique, non. Conquête, est-ce que ça gueule encore? Indépendance de la Gascogne, putain mais vous déconnez, hein. Gascogne. Ouais, ils étaient bien costauds là, tes rebelles fanatiques là. Ah bon? Ah bah un petit peu.
Bah, ils étaient 20 et quelques mille avec un général 2 étoiles. Parfait. Mais bon, ça va, c'est bon. J'ai l'habitude de perdre mes hommes maintenant pour ça. J'ai l'habitude de perdre mes hommes pour vous. C'est ça. C'est gentil de ta part quand même, j'apprécie. Bah, écoute, je suis un peu la milice locale, on va dire. La milice France-Nord et Grande-Bretagne. Expulsion de nos marchands. Bah non, nos marchands resteront. Toi, tu reviens. Colonie suffisante, auto-suffisante. Donc c'est parfait. Les Navarros. Mais alors à quel moment putain, mais ça n'a aucun sens. Ah la tristesse, mais l'Espagne a trop de trucs, c'est ouf. Il a le traité de Tordesillas sur la moitié du monde, ce con. Ouais. Ah oui, c'est non n'importe mais... quoi, n'importe quoi. L'Espagne, allons. C'est la fête, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ces conditions, nous? Vraiment. Bon, il y a qui en rivaux? La France et l'Ottoman. Oui, bon, bah, rien n'est bien choquant. Je vais essayer de me faire élire au trône impérial. Fais gaffe avec la Ligue, ça peut être dangereux quand même. Ça peut être un vieux plan de merde. Mais vraiment, vraiment de merde. Bon, on va refiler un bateau à machin là qui est revenu à la nage du milieu de l'Atlantique. Ah non, il est mort ce con. Ouais, c'est la double loose quoi. Non seulement il savait pas naviguer, mais en plus il savait pas nager quoi. Explorer, mais pour explorer, j'ai que faire le tour du monde, hein, j'ai rien d'autre. C'est un truc de ouf. C'est bizarre ça, j'avoue. Ah ouais, c'est vraiment, vraiment ouf. Alors, c'est dans quelle zone ce truc de merde? Du coup, c'est qui lit de la guerre là? Conquérir, okay, avancer. Mais c'est complètement con, du coup, j'ai une guerre. L'objectif de guerre, il est déjà pris par mon allié quoi. Et il est en train de le légitimer et tout, mais la guerre est toujours en cours. Ça pue le bug, hein. Parce que du coup, je négocie avec qui pour faire la paix? Attends, je comprends rien. J'ai combien de relations? Alors, je sais pas du tout. Hein, je ne sais pas comment ça se passe, tes trucs. C'est un peu triste. Ouais, c'est n'importe quoi. Des nobles qui gueulent. C'est bien triste pour eux. Ouais, je comprends rien. Bon, bah, c'est pas grave, on va mettre fin à la guerre quand même. Hein. Comme ça, c'est fait. Non, mais du coup, je peux pas la prendre, la province. Je peux pas la filer à mon allié parce qu'il s'est barré de la guerre et je peux pas la prendre, quoi. C'est trop con. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je peux pas l'appeler dans la guerre. Imposer la paix. Bah, je ne sais pas, quoi. Attends, mais il est. C'est toujours une colonie à moi. Mais oui, c'est toujours une colonie. De toute façon, il y aura bien quelqu'un dans les commentaires qui expliquera le pourquoi du comment de tout ça. Ouais, il y en a toujours. J'imagine, hein. Ouais. Mais du coup, bah tant pis, on va prendre ça. Hein. Alors déjà, on va prendre le blé de l'huile, hein. Quitte à ce que. Parce oh, putain, que voilà. Il a 10, c'est la fête quoi. Pourrait le vassaliser. Ah, on pourrait le vassaliser. Ah, on va le vassaliser. On pourrait pas le vassaliser, il veut pas. Ça pourrait être cool, un petit vassal dans le coin là. Ça pourrait être cool. Il est où? Il est là. Ouais, ça pourrait être cool. Ouais. En plus, j'ai une relation qui sert à rien. Voilà. Bien développer Londres, comme ça, le commerce mondial est adopté. Ah oui, il y a ça aussi. Bien joué. Développer. Bah, ça coûte cher, hein, mais développer Londres, mais bon. J'en suis où de cette histoire? Tu m'étonnes. Je suis sûr que ça va pas bouger. Bon. Ouais, bah voilà. Pourquoi il veut pas? Okay. Très bien. Ok. Ah, ça va aider un peu quand je vais le développer sur l'île. 0,018 à la capitale. 0,018. Ah ouais, mais ouais, c'est la violence. Hein. Si tu fais un marché, ça va un peu plus vite. C'est pour ça que j'en ai fait un camp, moi. Mais... Un quoi? Un marché. Ah oui, un marché, ça va plus vite. Ouais, je pourrais faire des marchés. Mais... Bah, je l'ai fait à Londres, du coup, toutes les. Province côtière adjacente, ça va aller plus vite, donc ça va petit à petit, ça va s'étendre quoi. Et puis si je mets un édit, genre 33% en même temps, 33% de 0,18, merci. Ouais, bon, voilà. c'est pas le feu. Allez, pas besoin d'être très très bon en maths pour se dire que c'est un mauvais plan ou pas intéressant. Bienvenue, vous. Bienvenue dans l'Empire.
Ok, ça c'est fait. Alors attendez, je remets pause deux secondes, le temps de faire une petite paix. Alors bah du coup je vais peut-être partir plutôt... Tu veux toujours pas toi, hein. Tu veux toujours pas, donc il va falloir qu'on aille te taper sur tes armées on dirait. Alors je pourrais débarquer au Congo. Ça a personne le Congo. Non. Bah je voulais le faire. Bah on peut aller tous au Congo. Non mais moi c'est juste l'histoire d'avoir un pied à terre pour après. Hein. Ah oui, moi c'est juste pour leur casser la gueule mais... Moi le Congo j'en ai pas grand chose à foutre hein, très honnêtement. Moi c'est temps de me poser un peu ailleurs en parallèle là mais... Excellent, nous avons eu le nouveau marchand dû à la nouvelle colonie. Les bateaux. Donc on va pouvoir mettre un nouveau marchand. Est-ce que je peux en mettre un à Lübeck pour faire chier? Mais où sont ces armées à ce point? Je pourrais en mettre un à Lübeck pour faire chier. Fais gaffe que... Galère, cher ami breton. Ah ouais, non hein. Mais c'est n'importe quoi. Fais gaffe qu'ils viennent pas poser des trucs à siéger des colonies parce qu'il en est capable ce con, hein, en fait, type 1. Qui ça? Bah le mec contre qui on est en guerre là. Non, il oserait pas faire ça. Je sais même pas avec qui on est en guerre depuis tout à l'heure en fait. Ah ça y est, il accepterait ça. Ok, donc est-ce qu'on peut prendre un peu de blé? Ah ceux-là. On s'en fout. Ouais. Ok. Je m'en soucie. Allez, c'est parti, ça c'est fait. Allez, je peux faire combien de bateaux encore? 39 sur 58. Mais je peux faire tellement de bateaux. Comment c'est d'ailleurs je peux faire autant de bateaux, c'est pourquoi? 68 bateaux. Bah ouais, t'es bien quoi. Un navire perdu en mer, oui, bah on a l'habitude. Importation de cotonnade en Espagne. Ok. Alors, où est-ce que ça gueule cette fois? La Provence, non. Putain, la Provence. Des rebelles à Gloucester. Ah ouais, non, mais ça va devenir vraiment tendax, là. Hein. J'ai énormément de rebelles qui ont popé comme ça, là. Mais en plus, c'est un événement de merde du style, tu sais, on vous prévient pas, pouf, ça pop direct, quoi. Lol, rigolez bien. Ah, c'est relou quand ça arrive. Bon bah nous ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va construire pour que je ramène une manufacture gens, au Nantais. Allez, ah, putain, on fait une paix. Où c'est que je peux en mettre moi, il y a la Toscane, la Hollande et l'Irlande. Ça va être compliqué tiens. Tu peux emmener tes troupes Damned? Bah j'ai que ça à faire ouais. Ça tombe bien, parce qu'ils étaient au Kent, ils sont à 3 provinces de ma rébellion. Parce qu'en fait c'est ça ou alors je demande aux gens bah... Comment? Je demande aux gens de traverser le monde entier. C'est bon. Allez, on prend ça. Des répas de guerre, son blé, trois provinces, c'est bon. Ils sont trop au fait, mais mec, là, ils ont coulé, c'est con ou pas? Je ne sais pas s'ils sont morts ou pas. Est-ce que je peux donner ces provinces Hollande à machin, à Perez. Hop, je suis maintenant un adversaire de la Hollande. Ok, on peut pas. Très très bien. Ça arrive. Je crois que mes mecs, ils ont encore coulé. Putain, ils veulent pas, quoi. Non, bah de toute façon, ils essayent de faire un tour du monde. Bah, ils ont pas les moyens de faire... Faut juste qu'ils arrêtent, quoi. Ah non, mais c'est automatiquement donné au Pérou, en fait. Parfait. Bah, c'est encore mieux. Et ça, c'est donné à qui? À Colombe. C'est un truc de ouf. Parfait. Très très bien. Il nous faut des troupes. Il nous faut des troupes au pays par contre là. Genre vite. Donc du coup vous faites demi-tour, vous allez là. On est au niveau de la durée de l'épisode, je dis ça, je dis rien. Il faut qu'on l'arrête. Il faut complètement qu'on l'arrête. Voilà. C'est encore quelqu'un qui a pas le timer qui le dit, mais c'est pas grave. je prends l'habitude de prendre ce rôle. Bon bah merci à tous d'avoir de nouveau suivi cet épisode, on est ravis qu'on a pu continuer la série sans que ça plante. Bah on est tellement content qu'on a même plus le temps quoi, on y va maintenant. C'est ça, on balance du rab, aucun problème. Du coup, n'hésitez pas à aller voir la perspective sur la chaîne du Signe Noir, le lien est dans la description. Et puis sinon on se retrouve ensemble très très bientôt pour la suite de cette aventure. Bye bye. Salut à tous. Merci à tous.